Oui, ce sera un petit peu plus difficile. Les nuits du Ramadan, c'est une offre de musique arabe, mais dans la version moderne. Et je pense que le public guidé, le public de la province, mais également le public venu de plus loin, aura l'embarras du choix en ce mois de Ramadan pour écouter une offre culturelle très très large qui va d'une musique traditionnelle à une musique beaucoup plus moderne et revisitée à travers la programmation des Nuits du Ramadan. Les Nuits du Ramadan, c'est un concept original, un festival itinérant. Sur une période courte, d'un peu moins d'une semaine, des groupes de musique internationaux font des tournées à travers toutes les villes du Royaume où l'Institut français est présent. Et les trois groupes que nous avons retenus cette année pour jouer à El Jadida sont les groupes La Besse, 47 Soul et Jabal, des groupes venus d'Algérie, de Palestine et de Jordanie, mais à travers un métissage, ce sont des groupes qui, les Palestiniens vivent à Londres, l'Algérien vit au Québec, etc. C'est vraiment cette idée de la rencontre, du métissage, de l'exil éventuellement, et donc d'une musique aux sonorités très riches, parce que c'est une musique faite de mélange. Donc, une musique qui devrait toucher un public très large, que nous espérons vraiment complémentaire de l'offre de Nagroniat. On sera sur un autre registre, mais je crois que voilà, c'est dans l'intérêt de tous les mélomanes de la province et de plus loin. Il y aura, durant cette période, à El Jadida et dans la province, une offre culturelle très riche. Merci, M. Gouverneur. Merci à vous. Je rappelle que votre conférence est pour le 1er juin. Oui, le 30 mai, très bien.